la suite du vlog semaine. On est jeudi, je ne vous ai pas pris ce matin parce que j'ai été un petit peu occupée. Pour dire la vérité, il est presque 1h30 là. Je vais ramener Kayla à l'école parce qu'elle n'a pas mangé à la cantine aujourd'hui. Vu que mardi, qui est normalement son jour sans cantine, elle a dû manger vu que moi j'avais la coiffeuse. Donc je lui ai fait plaisir aujourd'hui, je ne l'ai pas mis à la cantine. Mais du coup, il faut que je la ramène. Moi cet après-midi, je dois bouger pour des papiers. Je vais prendre un rendez-vous qui n'est pas à la crèche, comme vous l'entendez derrière moi. Bon, on va partir de toute façon, c'est pas grave. Allez, tant pis. On est en grande, grande forme. En plus, c'est lancé la sieste et il ne l'a pas fait, donc il va sûrement dans la voiture quand j'allais qu'elle est à l'école. Enfin bon, c'est pas grave. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrangé un petit peu la maison, j'ai finalisé les publications de vidéos et j'ai eu un rendez-vous. Alors, je vous en parle, mais enfin voilà, c'est vraiment juste pour que vous sachiez ce que j'ai fait parce que ça n'a pas grand intérêt. En fait, j'ai un contact avec une personne qui font des tests, vous savez, que tests de consommateurs. En fait, vous avez des consommateurs qui testent les produits. Ben là, il avait besoin de quelqu'un pour tester un mascara. Du coup, elle m'a contacté. Je lui ai dit ok. C'est pas rémunéré. En fait, on a juste après en cadeau ben, le produit en question, je crois, ou un truc comme ça. Mais voilà. Et du coup, j'avais un questionnaire à remplir. Elle est venue ce matin. Ça a été un petit peu lent. Et donc là, j'ai testé le mascara. Il est comme ça. Donc je vous en parlerai quand il est sorti, quand il sera sorti, parce qu'il n'est pas sorti pour le coup. Ça n'a rien à voir avec YouTube, elle sait même pas que j'ai une chaîne YouTube, donc ça n'a rien à voir. C'est vraiment n'importe qui, en fait, ils prennent des gens comme ça pour faire ces tests-là. Du coup, je vais tester pendant une semaine, et puis après j'aurai de nouveau un point pour vous dire tout ce qui m'a plu, tout ce qui m'a pas plu. Et voilà, je suis assez contente. Franchement, il est plutôt sympa ce mascara, je suis contente. Bref, j'ai les cheveux sales, donc faites pas très attention. Je comptais me les laver hier, j'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave, je me les laverai ce soir. Cet après-midi, comme je vous l'ai dit, je dois faire des papiers. Après, je voulais faire une petite balade, marcher avec Aaron, me prendre son vélo et tout. On verra si je peux, si j'ai le temps. Et je voulais peut-être passer à Intermarché. Alors là, vous allez rigoler. En fait, j'ai vu une vidéo de Mam Flower Vlog ou Blog, je vais pas dire de bêtises. C'est une maman que j'aime beaucoup, que je suis sur YouTube. Et du coup, elle a fait une ouverture de... je sais plus, des genres de fun pop, fun, des genres de figurines de pop, mais toutes petites, et c'est des pochettes surprises d'Harry Potter qu'elle a trouvé à Intermarché beaucoup moins cher. Et du coup, ça m'a donné envie d'en acheter pour la puce pour son anniversaire, mais voilà, du coup, je sais pas, peut-être je vais aller faire un tour à Intermarché, voir s'il y en a. Bon, je vais aller à Biarritz parce qu'il a pris son manteau. Et de toute façon, c'est l'heure d'amener Kayla, donc je vous retrouve tout à l'heure. Bon, parti. Fais la petite balade en vélo. Il est 3h20. On va se balader puis on finira par le goûter au parc. C'est bien, Ron? Quoi? Ah, un chat! Ron, il fait coucou, chat! Il est où, les chats? Il est parti? Il se cache. On se trouve, il est 4h30. On se retrouve après une bonne heure de marche. Mange doucement. Tu as le temps, je vais t'en donner encore. Ron, il a avalé son gâteau pour en avoir un autre. Donc là, il a goûté ces gâteaux-là. Si vous vous rappelez, Kayla, au début, avait aimé. Puis quand elle a su que c'était de la fraise, elle n'a pas aimé. Bref, mais en tout cas, Ron adore. Et du coup, il m'en demande. Donc, je vais en redonner un tout de suite. Encore? Ouais. Ça va encore? Ouais. Attends. Attends, j'attends, j'attends. Je crois qu'il finit son gâteau. Et je vous montre. Encore. Encore? Un seul, hein. Après, ça suffit, hein. Tiens. On a déjà mangé un. Donc on a fait une balade d'une heure. Non, non, le remets pas dedans, hein. Mange-le. Hein. Oh là là, il a remis un gâteau dedans. Regarde. Oui, j'ai vu. Moi aussi, j'en ai mangé un du coup pour le goûter. Franchement, ça passe très bien. Et donc, ouais, je vous dis, on a fait une heure de balade. On a fait à peu près trois quarts d'heure de marche. Et puis, on s'arrête un petit peu au parc. Et voilà, c'était cool. Ça te fait du bien. Moi, je suis transpirante. Là, je vais aller me doucher. Et puis après on va attendre que papa rentre, je vais retourner voir ma copine à l'hôpital, parce que l'hôpital est pas très loin et puis voilà, je vais aller la voir quoi. Donc j'attends ouais, que papa rentre, je sais pas du tout ce que je vais faire à manger au petit ce soir, pour le chéri je sais mais pour les enfants je ne sais pas. Donc on va voir, bon on se retrouve tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Gâteau. Gâteau. Et je sais plus, je vous l'avais pas redit du coup, mais si vous me suivez, ces petits gâteaux, on les a vus dans la box de Family Simo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous présente la box entièrement, c'est une box, enfin, il y a plusieurs types de box, mais en tout cas, moi j'avais reçu la box spéciale goûter. Et j'en suis très contente pour l'instant. Et Aaron aussi. Bon, mais du coup, on a profité du goûter pour goûter l'autre produit de la box. C'était le goût de goûter cacao banane, et Aaron adore. Par contre, il a pas aimé le brassier. Je pense que mes enfants ont un problème avec les yaourts en gourde. Hein. Kayla et lui, ils ont du mal apparemment. Ça m'étonne parce que comme je voulais dire, on n'est pas compliqué, mais imaginons. Par contre, ça, il adore, hein. Il n'a presque plus, hein.
Encore? Non. Tiens, vas-y, mange tout seul. En plus, oula. Je trouve que c'est hyper pratique ça quand on bouge pour manger comme ça. C'est top quoi. C'est top. C'est bon? Mais. C'est quoi ça, Aaron? Pépé. C'est quoi? Mais si, il y en a encore la fois. Appuyez, regarde. Viens, approche-toi, maman, va appuyer. C'est quoi dedans? Toto. Il y a quoi dedans? Goya. Chocolat. Tiens, vas-y. Mets dans la bouche. Si j'appuie que tu l'as pas dans la bouche, ça va sortir. Vas-y. Tu vois, il y en a encore. Voilà, finis le goûter tranquillement. Là. Vas-y. Re, les amis, on se retrouve beaucoup, beaucoup plus tard. Je pense que vous la voyez à ma tête. C'est un truc de fou. Je suis explosée. Bon, j'étais sur l'écran, d'où mes yeux très fatigués. Il est 9h30. Les petits, je les ai couchés à 9, enfin, un peu avant 9h, mais bon, à 9h ils dormaient. Et du coup, de 9h à 10h, j'ai été sur le live de la famille Ross. C'était vraiment super. Comme d'habitude, j'essaie de pas rater leur live en général parce que j'aime bien changer avec eux. Et je suis allée me laver, enfin, me laver mes cheveux. Voilà. Et après, je suis allée me prendre une douche, tout simplement. Là, c'est l'heure pour moi d'aller au dodo. Je suis désolée aujourd'hui, je voudrais pas trop filmer, mais c'est vrai que j'ai pas mal. J'ai pas mal couru en fait, j'avais plein de choses à faire et du coup j'ai pas eu trop le temps de filmer, puis il y avait rien de passionnant non plus, hein, à part la sortie au parc, c'était cool pour le petit, mais voilà. Mais du coup moi j'ai marché quand même une heure aujourd'hui, donc ça m'a fait du bien. Et donc je vous montre la lecture, je vous en reparle rapidement même si je vous l'avais montré. Focus aussi est fatigué je pense. Je vous l'avais déjà montré mais du coup j'ai bien entamé le livre de la liste. Je m'attendais pas à l'adorer autant, je pensais que je mettrais une éternité pour le lire. Et j'en suis presque à la moitié et j'ai commencé il y a 2 jours. Voilà. Il est super mais je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, vraiment j'adore ce bouquin. Et je le trouve hyper intéressant. Vous me direz si vous connaissez. Et si vous connaissez pas, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Ou dans un autre vlog, mais là il est relativement tard. Mon focus a dit, n'arrête pas de me dire, va te coucher, arrête de filmer. Donc je vais arrêter là, je n'ai plus de batterie non plus, c'est pas très grave, on se retrouvera demain. Et le vlog sera peut-être un peu plus long en tout cas. Et moi je vais pouvoir me reposer un petit peu, donc à demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Et on est samedi, début d'après-midi. Ouais. J'ai pas vlogué ces 2 derniers jours, enfin j'ai filmé quelques images jeudi, mais du coup je les ai pas montées en vlog parce que vraiment ça aurait été extrêmement court. Tout simplement parce que je suis malade, je pense que ça s'entend, parce que Aaron, bébé Aaron est malade, je vous montrerai après. Et du coup ces 2 derniers jours ont été très difficiles et très fatigants. En fait Aaron a commencé à pleurer, donc c'était pas l'année dernière, la nuit d'avant. Il a pas arrêté de pleurer pendant la nuit, pendant 2 heures en continu, je voyais qu'il souffrait, qu'il était pas bien, j'ai réussi à le calmer et tout. Le lendemain matin, je l'ai amené directement à mon médecin et il a une otite, ou grosse otite, à chaque oreille. Donc voilà. Donc il est sous antibiotiques, il a des gouttes pour ses oreilles. Aujourd'hui, ça va mieux. Cette nuit a été meilleure, il a bien dormi, moi aussi du coup. Moi, j'ai plus de voix, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, j'ai mal au nez. Voilà. Je sais pas ce que j'ai, mais bon voilà, j'ai un gros rhume, non, je dis, je sais rien. J'espère que ça va passer. Du coup, je me sens quand même mieux, mais voyez, ouais, je suis quand même bien fatiguée. Du coup, voilà, comme vous le verrez, Aaron, c'est pas la grande forme. Et pour tout arranger, ce week-end, je suis toute seule pour gérer les enfants, si c'est pas génial. Parce que quand on est malade, évidemment, on peut se reposer sur quelqu'un des fois. Mais moi, mon homme n'est pas là tout le week-end, vu que c'est un ami à nous qui fait son intervention de tes garçons. Voilà, donc je suis toute seule tout le week-end jusqu'à lundi. Ouais, donc bon, c'est pas très grave. J'arrive à gérer, mais voilà, je vous avoue que hier, franchement, hier soir, c'était dur, j'étais vraiment mal. Oh, voilà, Kayla est gentille, du coup, voilà, elle m'aide sur plein de choses, elle s'est bien occupée de son frère aussi. Et ils ont été adorables au moment du coucher, donc ça s'est bien passé. Ce matin, on est allé à la bibliothèque, donc du coup, on a ramené des livres, on en a pris de nouveaux, comme d'habitude. Kayla est en train de lire les livres et de s'amuser avec. Cet après-midi, ma mère va passer avec ma tante, donc on va passer un moment ensemble tranquillement, on va faire un petit goûter. Apparemment, ma mère a fait un gâteau avec mon petit frère, donc on va goûter ça. Et ce soir, je garde Jordan, peut-être à dormir, on verra selon lui comment il se sent, parce que ma maman va manger au resto. Et puis, du coup, voilà, après, on va rester tranquille pendant ces 2 prochains jours, hein, parce qu'on fera évidemment la chasse aux œufs de Pâques lundi, avec ma maman sûrement. Mais on le fera dans la maison quoi, parce qu'on n'a pas le jardin, enfin dans l'appartement parce qu'on n'a pas le jardin et bon, on peut le faire au parc mais c'est un peu compliqué s'il y a du monde et tout, c'est un peu embêtant. En plus il m'est arrivé un truc ce matin, vous allez rigoler.
Vous avez rigolé. Moi, je rigolais pas, mais bon, j'ai failli tomber en panne. En fait, vous savez, on a deux voitures. Une qui est plutôt bien, qui fonctionne très bien, et une un peu plus vieille qui galère un petit peu. On va dire ça comme ça. Et du coup, évidemment, le shérif, qu'il avait un peu de route, il a pris la bonne voiture. Et moi, j'ai la mauvaise voiture. Et oui, j'ai failli tomber en panne. En fait, en partant de la bibliothèque, la vitesse d'un coup a descendu. Et j'étais à 40, quoi. Et ça descendait petit à petit, jusqu'au moment limite de s'arrêter. Donc, j'ai un peu paniqué. J'ai mis mes feux de détresse. J'ai éteint, j'ai redémarré. Heureusement, elle a redémarré son souci. J'ai pu rentrer chez moi. Mais du coup, je compte pas bouger du tout tout le week-end. Parce que j'ai pas envie de me retrouver bloquée quelque part avec les deux enfants. Clairement. Donc, voilà. C'était la bonne nouvelle du jour. Les voitures, je sais pas vous. Mais alors, moi, j'en ai marre. Tout le temps, tout le temps, moi il y a des trucs d'entretien à faire, mais j'ai l'impression qu'on a tout le temps des frais avec les voitures. Les pneus, l'entretien, ou des pannes, ou Xiaomi, enfin, c'est un puissant fond quoi. Mais bon, c'est comme ça. On avait déjà un truc à faire parce qu'elle perdait déjà de l'eau, donc on a déjà le radiateur à changer sur cette voiture. Il faut qu'on fasse les plaques à télé disques aussi. Et en plus, maintenant, elle a un autre problème. Il y a beaucoup plus grave. Et heureusement, on a pu rentrer à la maison, c'est l'essentiel. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous reprendrai. Voilà, je ferai quelques images cet après-midi, mais je pense que je vous reprendrai plutôt ce soir avec les enfants. Histoire de, voilà, je pense qu'on va faire des activités. J'ai prévu de faire la peinture des petits moulages que Kayla avait fait la dernière fois. Les activités, vous savez, de 16 créatives dont je vous avais parlé le week-end dernier. Voilà, donc là, on va finaliser ça. Et puis voilà, après, on va rester tranquille. On va profiter d'un moment de repos. Et je vais m'occuper de mon petit chou. Il n'est pas en grande forme. Voilà, donc à tout à l'heure. Les amis, on se retrouve, on est dimanche matin. Je pense pas avoir clôturé le vlog hier parce que ma mère est restée jusqu'au moment de manger avec les petits, du coup après ils sont partis et bon, j'ai passé un moment avec les enfants puis on s'est couché. Donc voilà, là il est 11h30, donc Aaron vient de partir à la sieste, on a mangé, j'ai fait des pâtes au cookéo avec du blanc de poulet, voilà, c'est du vite fait ce week-end. Là on va faire des choses aussi avec Kayla parce qu'on profite du moment de sieste de Aaron. Moi je dois finir de débarrasser ma cuisine. Ce matin j'ai fait pas mal de tri dans mon KJV. J'ai rangé, j'ai mis tout en fait, ordonné tous les trucs pour cet été, les serviettes de plage, les maillots, les bonnets, tout ça. Parce que l'air de rien chez nous, le beau temps arrive quand même, donc on va pas tarder à aller à la piscine. Et voilà, du coup je préférais que tout soit facile d'accès. Oui, bientôt on va aller à la piscine. Et voilà, du coup je me suis occupée de ça et j'ai rangé en fait tous mes accessoires de pâte à sucre dans le KJB, donc je vous montrerai tout à l'heure. Et j'ai un placard qui s'est libéré à la cuisine. Ce placard qui s'est libéré, du coup ça va m'aider à réorganiser la cuisine parce que la cuisine, il y a vraiment un souci, j'ai toujours des trucs qui traînent, il y a des trucs, il y a des coins où il y a toujours du bordel. Je fais que ranger ces coins-là, ça me gave. Donc pour moi il y a un souci d'organisation, donc je vais essayer de m'occuper de ça après avoir joué avec elle. Tout simplement, voilà. Et puis je dois finir mon bullet pour le mois d'avril parce qu'on est le 1er avril je crois aujourd'hui. Voilà. Je vous montre juste rapidement. Donc là j'ai mis tout ce qui est maillot papa, maillot maman, serviette pour les bébés, bonnet, lunettes de plage, crème solaire, etc, etc, mon petit chapeau. Dans cette caisse c'est tout ce qui est déco d'anniversaire de Kayla et vous en verrez une bonne partie dans une prochaine vidéo. D'ailleurs la vidéo, non la vidéo sera pas encore en ligne, on verra ce vlog, mais elle arrivera très très bientôt.
Ça c'est encore là dedans il y a les sacs de plage et dans ce sac là il y a tout ce qui est bouée, brassard, etc. Mon fer à repasser, des chapeaux de papa et ça c'est des restes de fibres de verre, je sais plus comment ça s'appelle, qu'on a utilisé dans la chambre de Kayla, il en reste et bon je veux pas les jeter pour l'instant donc je les ai mis là. Là j'ai rangé, là on a une caisse qui est complètement vide donc bon, ça servira. Et voilà on a quelques petites choses encore qu'il faut que je range. Mon étagère avec mes sacs à main, vous voyez j'en ai que 4 plus 1 que j'ai, ça me fait 5 sacs à main donc ça va. Et là c'est tout ce qui est pâte à sucre parce que je stockais tout ça dans un placard de la cuisine et c'est vrai que la pâte à sucre ben, j'en fais pas de manière hebdomadaire, j'en fais ben, quand il y a des anniversaires donc voilà tous les 3 mois ou tous les 6 mois peut-être je m'en sers. Donc clairement ça sert à rien de garder tout ça dans la cuisine. Et puis voilà j'ai réussi à tout caser là quasiment donc je suis très contente. Là il y a de la pâte à sucre, il y a les ustensiles, tout ce qui est lettres, il y a un sachet avec tout ce qui est moule en silicone. Et il y a un sachet avec tout ce qui est divers, on va dire des moules à cupcake, etc., etc. Ça c'est ma trousse avec mes indispensables, les petits outils, le petit rouleau, la petite spatule, etc. Et là vous avez une caisse en porte-pièce, une autre caisse en porte-pièce et une caisse avec des poussoirs et une caisse avec un petit peu tout mélangé et la petite boîte avec les colorants. Voilà, il me reste encore voilà, le bas à ranger. Mais bon, voilà, je m'en occuperai ouais, cet après-midi ou peut-être un autre jour après. Je vais passer du côté de la cuisine, on verra. Ça m'a libéré ce grand espace là donc je vais voir ce que je vais ranger. Oui, j'arrive mon cœur. Je vais vous parler d'un petit truc. Je profite d'avoir un petit moment. En fait, je suis pas mal de chaînes de maman et de famille, vous le savez. Entre autres, la chaîne de Maëva et Adrien, la chaîne Mavachou, si je dis pas de bêtises, que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai découvert grâce à eux, enfin dans un vlog, un truc plutôt cool. Donc, je voulais vous en parler. En fait, moi, je savais déjà... par Amazon, si on met des liens en fait de produits, moi je vous mettais des liens régulièrement des produits dont je vous parle ou que j'ai testé ou quoi, je vous mettais des liens Amazon et effectivement il y a un programme d'affiliation donc de partenaires qui fait que quand vous passez par ce lien, on touche une commission. Sauf que moi je pensais qu'on touchait une commission si vous commandez le produit que je vous ai mis en lien en fait, tout simplement. J'ai jamais cherché plus loin. En fait, j'avais jamais trop regardé, et du coup, dans cet espace, en effet, maintenant que j'ai regardé, alors je dois être à, ça fait un an, je crois que je mets des liens, je dois être à 10 euros, quelque chose comme ça, et je crois qu'il faut avoir 50, 70 euros pour pouvoir le toucher en bon d'achat, ou je sais pas trop quoi. Donc, je suis encore loin, j'ai jamais rien eu par rapport à ces liens-là. Mais du coup, maintenant que j'ai cette info-là, je vous le dis, si jamais vous voulez me soutenir, que vous voulez me faire, c'est comme un petit cadeau en fait, mais si vous comptez passer une commande sur Amazon, ne commandez pas pour ça, hein, mais si vous comptez commander quelque chose sur Amazon, quoi que ce soit, passez par un lien en barre d'infos, je vous en mettrai toujours un du coup maintenant dans chaque barre d'infos. Ça sera un produit que j'utilise et que j'aime bien, mais ça sera pas, vous n'êtes pas obligé de commander ce produit là. Vous allez par ce lien et puis après vous commandez ce que vous voulez en fait. Donc c'est génial et moi ça me donne un petit pourcentage donc c'est pas énorme. Mais si chacune d'entre vous le fait, je pense que ça me fera une petite cagnotte et ça me fera tout en plus parce que vous le savez j'ai... J'aurai clairement jamais assez pour ça, mais j'aimerais changer d'appareil photo, en tout cas prendre un appareil photo pour le vlog parce que vous savez je filme avec mon Canon EOS 700D et autant vous dire qu'il est lourd et que je peux pas l'amener partout, donc pour les vlogs c'est pas très pratique, donc j'alterne avec mon téléphone, donc ça va, mais j'aimerais bien avoir un bon petit téléphone comme le Canon G7X je crois. Du coup j'ai commencé déjà à mettre un peu d'argent de côté et c'est vrai que si jamais j'avais un bon d'achat Amazon en plus, ben je le garderais sûrement pour ça. Voilà, donc si jamais vous voulez me soutenir, que vous comptiez commander quelque chose sur Amazon, parce que moi clairement je passe ma vie à commander sur Amazon, hein. Si je pouvais moi-même passer par un lien d'affiliation de moi-même, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je pense que j'aurais un certain bon d'achat. Mais bon bref, donc voilà, si jamais vous avez envie de le faire, faites-le. Mais du coup, voilà, je voulais vous passer un message, parce que du coup moi j'étais pas au courant, et c'est grâce à Maëva de Mavachou que j'ai découvert ça. Donc un grand merci à elle, même si elle ne regarde pas du tout mes vidéos à mon avis. Bon, je vais aller jouer avec Kayla parce que elle commence à s'impatienter. Et puis on se retrouve tout à l'heure et je pense que je vais vous faire le point sur le bullet parce que voilà, il n'y aura pas trop de choses aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aura pas trop de contenu parce qu'on va pas sortir. Demain, on fera la chasse aux œufs. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Re-coucou tout le monde, on se retrouve. Il est bientôt 3h. Je me suis pris un bain, je me suis lavé les cheveux, c'est du bien. J'ai mis un nouveau haut que j'ai acheté à Kiabi qui est très joli, je trouve. C'est avec les épaules dénudées. On va pas trop vous montrer, mais bon, il est très joli. Je vais essayer de vous montrer. Voilà comment il est. Je le trouve très joli.
Il va jusqu'au XL, là c'est dans les voilà, dans la nouvelle collection je pense. Ils en ont fait plein de couleurs et franchement ils sont hyper légers pour l'été, c'est génial. Oui, il fait déjà chaud chez nous, c'est normal. Et du coup j'en ai pris une autre couleur que je vous montrerai la prochaine fois, mais je suis très contente. Et il coûtait 10 euros, donc franchement pas très cher. Et je trouve que ça rend super bien avec un jean et des petites baskets, voilà. Le blanc, le bleu, le rouge, voilà. Voilà. Je me suis habillée de ce moment parce que j'attends que mon père passe, il doit venir voir les petits. Donc voilà, on va passer vraiment encore cet après-midi en famille à la maison. Voilà, tranquillou. Cette petite casquette à qui habille pour Aaron. Alors, coucou tout le monde, on se retrouve, il est presque 5h. Mon papa vient de partir, il est venu avec mes grands-parents, du coup, ses parents lui, quoi, mes grands-parents, c'était de mon père. Alors, on a passé un moment, voilà, les petits étaient contents, ils avaient ramené des chocolats évidemment. Donc ils ont goûté du chocolat, beaucoup trop de chocolat. Mais c'est pas grave, ils se sont régalés, donc c'est l'important. T'as mangé du chocolat, oui. Il y en a encore, oui, miam miam le chocolat, oui. Miam miam. Non, mais passe à la bouche, hein. Attention. Et du coup, moi là, il est 5h, je vais me poser un petit peu, je vais me mettre devant l'ordi. Et les petits sont tranquilles, ils regardent un peu des dessins animés, Aaron y joue avec... comment ça s'appelle, les trucs qui tournaient là, que ça a été la grande mode il n'y a pas très longtemps. Quoi? Ce qui joue là, Aaron, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la caisse. Non, pas la caisse. Le truc rond là, que t'avais à toi avant que tu tournais dans tes doigts. Ce qu'il a dans les mains là, regarde. Un hand spinner, voilà. Bref, donc il joue avec un hand spinner. Moi, je me suis préparé un petit bol de musée avec les fraises parce que ma maman m'a acheté des fraises hier. Et en plus, ma mère, elle est trop forte. Quand je veux des trucs, elle me les ramène sans que j'aie à lui demander. En fait, j'en avais vu à Carrefour avant-hier et j'avais envie de fraises pour manger avec mon musée et mon fromage blanc parce que j'adore ça. Et en fait, je les ai trouvées pas belles et je les ai trouvées chères. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est pas grave, laisse tomber. Et en fait, ben, le lendemain, ma mère le vient, j'en avais fraises. Et c'était très bonne. J'en ai mangé hier soir, j'en ai remangé encore là et voilà, j'ai terminé. Donc, elle a pu. Mais bon, c'est pas grave. Lundi, je vais aux courses. À Leclerc, j'espère qu'il y en a. Bon, voilà, moi je mets un peu sur l'ordi et puis on se retrouve un peu plus tard. La salle à manger n'est plus rangée du tout, hein. Mais bon, c'est pas grave. Oui, mais Aaron a une casquette, il adore la mettre dans la maison, la casquette, et à l'extérieur, en fait, il adore avoir un truc sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est tombée? Mais je sais pas où est mon spinner. Je sais pas qu'elle a où il est. Je sais pas si je vous avais montré, du coup, hier, les créations des enfants. Donc là, les trois, c'est Jordan. Mais il en fait trop. C'est pas grave qu'elle est là. Ces trois-là, c'est Aaron. Bon, je l'ai aidé un petit peu, mais quand même. Et ça, c'est Kayla. La petite sirène, le petit coquillage. Ah. Oh, il va c'est très joli. Remettre. On se retrouve, il est 7h. J'ai mal à la gorge, je recommence à avoir mal à la gorge, j'ai trop de voix. Là, je fais le bain des petits. On va manger. On va faire de la soupe pour le soir. Et donc, après, on va regarder un film de mon enfance, High School Musical. Ceux qui connaissent, et je me suis dit que ça lui plairait sûrement vu qu'elle adore, je crois qu'elle en sait. Donc on verra ça tout à l'heure. Mais voilà, là c'est la douche, le repas, et puis après, voilà, c'est le film et le dodo pour Aaron. Et Kayla dodo un peu plus tard. Non, je ne vais pas de l'autre côté. Waouh, non, 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 l'eau dans le bain, Aaron. Voilà, c'est bien. Bah, évitez de mettre l'eau par terre, hein, c'est mieux.